tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Donc pour en parler, nous avons quelques élèves. Donc il y a Manon, à ma gauche. Madelon, qui va présenter avec moi. Bonjour. Alice. Bonjour. Et Raphaël. Bonjour. Nous allons commencer par Manon. Alors, peut-on faire des griffes avec du papier aluminium ? Bah, c'est déconseillé pour l'enfiler, mais après, ça risque de se casser, mais sinon on peut toujours essayer ou les repeindre avec une bombe argentée quand ils sont en papier. Et où as-tu appris à les faire ? J'ai été sur internet, je regardais des vidéos d'origami et je suis tombée là-dessus. C'était un thème Halloween, donc j'ai regardé, j'ai essayé. Et plus j'en faisais, plus c'était facile à faire. Et aussi, comment as-tu réalisé ta cape ? La cape, c'est assez long pour mettre le tissu comme il faut, placer les aiguilles. Mais après, pour le coude, ça va rapidement, ça va vite. Et sinon, c'est simple. Est-ce que tu fais des jeux pendant Halloween ou tu lis des livres sur Halloween, par exemple ? Voici un livre Halloween. C'est une fille mortelle qui va dans une île bizarre et qui fait des aventures super. Et là, c'est un jeu. Je l'ai acheté en vacances. Et pendant les vacances, je vais à la montagne et ça fait 12 heures de route pour juste aller le chercher. Mais sinon, c'est un jeu de sorciers avec des sortilèges et de plusieurs niveaux différents. Donc, je passe à la parole à Madelon. Alice, donc, toi pour Halloween, tu aimes bien te maquiller et te déguiser. Ouais, c'est ça, et moi j'aime bien surtout me déguiser pour faire peur aux gens et me déguiser surtout en personnage de la maison hantée de chez Disney. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire où tu as acheté le maquillage ? Alors j'en ai acheté quelques-uns dans un magasin à Vambrochy qui est fait exprès pour les fêtes et souvent à Halloween ça fait plutôt peur le magasin. D'accord. Et où tu as appris à te maquiller ? Alors j'ai appris à maquiller avec ma mère. D'accord. Et est-ce que tu pourrais donner quelques conseils rapidement aux débutants ? Oui, bien sûr. D'abord, pour mettre le noir sur nos yeux, il faut tirer notre œil et le mettre juste une fine flèche pour faire les yeux. Mmh. Après, pour plutôt le crayon orange, il faut fermer nos yeux, enfin un œil, et le mettre sur la paupière. Ok, d'accord. Nous allons passer à Raphaël. Comment comptes-tu fêter Halloween ? Moi d'habitude, mes parents d'habitude ils veulent pas qu'on aille dehors. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'ai jamais demandé pourquoi parce que c'était toujours comme ça. Et puis je me souviens que les gens ils venaient très tôt chez nous. Ils venaient à 17h, il y avait déjà des gens qui toquaient. Madelon, tu as des papiers dans les mains, c'est quoi ? Ma mère elle a écrit un livre de cuisine sur les sorcières. Donc il y a plein de recettes sympas et très rigolotes, très faciles sur les sorcières. J'ai pas le livre mais j'ai imprimé des papiers. Et puis avec mes parents on aime bien faire de la soupe aux potirons sculptée dans des potirons pour Halloween. Voilà. Merci. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.